Donc Thierry Gouillette, je suis technicien de maintenance spécialisé sur la partie fabrication. Je travaille à l'Occitane depuis 7 ans maintenant. Voilà. Bon, on va aller à la chaufferie. Là, on met les lunettes par contre. Bon. Là, on a la chaufferie donc de toute la nouvelle usine avec deux chaudières qui permettent de fabriquer la vapeur pour la vapeur, ce qu'on appelle process. C'est pour les machines de fabrication. Donc voilà. Avec deux chaudières, on arrive à provisionner la nouvelle usine, toute la nouvelle usine. Voilà. Par là. Là, normalement on devrait avoir besoin du gilet jaune. Bonjour. Donc là on est dans le local de traitement de l'eau. Ça soit on traite donc l'eau de ville, arrivée eau de ville, on fait de l'eau adoucie froide, adoucie chaude, et on fait de l'eau osmosée, froide, chaude. Un peu plus, on va dire, traité pour tout ce qui est machine de fabrication. Donc on a des membranes d'osmose qui permettent de traiter toutes les petites bactéries. Où on pompe de l'eau déjà adoucie, on traite toutes les bactéries et on la stocke dans les cuves de stockage. C'est une boucle, c'est-à-dire que ça tourne en permanence. On laisse jamais l'eau stagner dans la boucle pour éviter les proliférations de bactéries. Elle tourne, elle est brassée, elle revient dans la boucle, elle est retraitée en permanence. Là, on arrive en partie galerie technique, la galerie technique de la partie fabrication. Donc, on retrouve dans cette partie galerie technique toutes les armoires électriques des machines, les machines émissionneurs et fondoirs, toutes les tuyauteries, toutes les vannes, tous les moteurs, toutes les utilités, voilà, qui sont au niveau du plafond. Cet accès est réservé à la maintenance. En technicien de maintenance, on a sur 3 postes, on a entre 3 et 4 techniciens de maintenance sur 3 postes et des techniciens qui sont basés à la journée comme moi, comme des techniciens qui font que les utilités, des techniciens qui font que l'électricité bâtiment par exemple, qui sont basés à la journée. Voilà. Magali, je suis opératrice de ligne. Suivant le poste où on est, là par exemple on met les flacons dans les godets. Après on peut se trouver aussi en sortie parce que ici sur cette ligne-là il y a l'entrée et la sortie simplement. Et la sortie, ben, on réceptionne le produit fini et on le met en carton et on sur les palettes et on l'envoie en logistique. D'habitude c'est pas ma ligne, hein. La ligne moi je suis à côté mais on change souvent quand même. Quand il y a les lignes, elles ne tournent pas, on se met sur les lignes qui tournent en fait. Hein. Ouais, moi je suis Jocelyne et moi je suis conductrice de ligne. Donc ça ici c'est pas ma ligne. Je suis conductrice sur la coulée à chaud. Alors conductrice de ligne, ça consiste à gérer une ligne, gérer la ligne et gérer les gens qui travaillent sur la ligne. Moi je trouve que c'est plus intéressant que d'être opérateur. Après on a plus de contraintes, on est plus c'est pas la même chose, on a plus de responsabilités, voilà. Mais ça c'est un choix. Hein. Parce qu'on commence opérateur et si on veut progresser, on progresse. Si on veut pas, on reste opérateur. Voilà. En fait, opérateur, c'est toujours la même chose. Hein. Je veux dire, il y a un moment où. C'est vrai que conductrice de ligne, c'est quand même plus intéressant, on fait beaucoup de choses. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, on a un changement de numéro de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont rebrancher une cuve. Donc, déjà, il faut envoyer la palette avec l'ancien numéro de l'eau. On sort une fiche palette, on la colle sur la palette. On branche donc la cuve où il y aura un nouveau numéro de l'eau. Donc, il faut changer numéro de l'eau sur le laser. Sur le laser, ressortir des étiquettes avec le nouveau numéro de l'eau. Ensuite, dès que tout ça est fait correctement, on envoie.
Voilà. On s'acclimate plus ou moins au bruit. Au bruit, ouais. Parce que quand toutes les lignes tournent, c'est un peu bruyant quoi, quand même. Hein. Il y a des lignes qui sont plus bruyantes que d'autres. Hein, pas, bah celle-ci, parce qu'elle a le bol avec, ça tourne. Les pompes ou les bouchons sont dans un bol, donc ça fait du bruit, ça tourne. À côté, c'est pareil. Ils ont un bol, donc ça fait du bruit. Hein. Quand toutes les lignes tournent, ouais. Ouais. Donc toutes les deux heures, celles qui sont donc là en entrée vont sortir. Mais on n'arrive pas à la ligne par contre. Voilà. Le conducteur détaché vient nous remplacer le temps que la personne à l'extérieur revienne à l'intérieur. Et comme ça, juste, bon, ça prend 5 minutes. Pour pas que l'on ait des tendinites. Toujours le même mouvement. Même geste, le même mouvement. Il faut éviter de rester trop longtemps. Parce que voilà, en sortie, des fois, c'est très lourd aussi de porter les cartons. Donc on ne peut pas y rester 4 heures. Et ici, à la force, on a le cou un petit peu, la tête qui descend avec les plafonds, c'est un petit peu... Donc ils ont estimé que toutes les deux heures, c'était idéal. Voilà. Donc je m'appelle David, je suis technicien de maintenance à l'Occitane depuis 2008. Donc je m'occupe de la partie production, donc tout ce qui est maintenance productive, donc en curatif, préventif. Donc on répare toutes les machines quoi, qui conditionnent les produits. Quoi. Là on est dans l'atelier de conditionnement principal, où il y a toutes les lignes de conditionnement. Donc on fait du shampoing, des gels douche, des crèmes, c'est vraiment l'atelier principal que nous avons. Quoi. Pour tout conditionner plutôt. Quoi. Voilà. Donc là actuellement on a un souci sur une étiqueteuse, donc on essaie de régler parce que nous avons une étiquette avant, une étiquette arrière, il faut qu'elle soit centrée par rapport au flacon, et là on a vraiment un décalage, donc on essaie d'arriver à jouer pour remettre l'étiquette d'aplomb par rapport au flacon. Quoi. Voilà. Je ne vais pas présenter Mathieu Bataille qui est technicien industriel. Alors, en fait ça marche quoi? C'est un nouveau format qui arrive, un nouveau produit, c'est Mathieu qui s'occupe de faire les réglages pour que ça passe sur ligne. Voilà. D'où le problème d'aujourd'hui. Du coup, on va essayer de faire en sorte que ça marche. Là, on essaye d'avoir, si vous voulez, le même écart entre les deux étiquettes de chaque côté. On arrive à avoir le même écart. Là, on voit qu'on est bien décalé. Là, on a un petit décalage ici, gros décalage ici. Donc il faut qu'on arrive à avoir un réglage de façon à avoir les 2 cm 6 de chaque côté quoi. 60. Ouais. Sur l'autre 85. Ça c'est bon ça. Les trois derniers c'est bon. Après ce qui est bizarre c'est que le calcul il faut, on a pas le même. Après on a fait 58 sur les deux. Ah ouais. Alors je m'appelle Kebab Samirem, conductrice de ligne sur la Virtuo. Donc moi, en prenant le poste, déjà j'avais un mot de l'équipe d'avant, donc de la semaine dernière, qui m'a dit qu'il y avait un souci avec l'étiquette arrière, un problème de décalage, de pli. Moi, j'ai démarré, ça allait à peu près, parce qu'au bout d'un quart d'heure, on n'avait plus de bon décalage, et ça, pour la qualité, ça passe pas. Quoi. Donc voilà, 5h30, on est dessus. Ben là, on les repasse, on redécolle, on les repasse pour voir jusqu'à qu'on ait le flacon soit conforme en fait. Une fois que c'est bon, il peut partir. Et on peut redémarrer la prod. Tant que c'est pas bon, ben, on reste comme ça. On règle. Juste ici, toi, le petit nom, tu connais la procédure. Je te fais mettre le tampon Oxytone juste ici. Et voilà. Et pour toi. Merci. Allez, une bonne journée. Allez, une bonne journée. Ça
m'appelle Jean-Philippe Deboissier, je suis conducteur d'activité au Fuyamont logistique. On fait de la réception en fait des marchandises, on a des composants principalement. Tous les flacons qu'on va utiliser pour nos produits, les capsules, les flacons, les petites pompes qui vont à l'intérieur. Et on expédie aussi les produits finis donc, vers nos filiales de distribution. Donc on envoie les produits finis qui après vont être distribués dans les différentes boutiques. Ça part en Asie, en Amérique du Sud, et c'est distribué partout dans le monde. La majorité de la production est faite ici, un petit peu de sous-traitance pour le conditionnement, mais la majorité est faite ici. Donc là, c'est le quai de réception, donc le quai numéro 2. Il y a 3 quais au total. Donc là, c'est toutes les matières premières qui arrivent ici. Donc ils sont déchargés, vous avez vu, donc le chauffeur se présente en fait au niveau de l'accueil. Il donne le BL, on vérifie si ça correspond bien entendu qu'on doit avoir pour le site. Donc c'est déchargé, la marchandise est pointée. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, toutes les matières premières, on a un prélèvement à faire dessus. Donc en fait, tout ce qu'on reçoit, c'est prélevé. Il y a un petit local là qu'on va aller voir. Ça peut être, par exemple, si je reçois 10 cuves, ça peut être sur une cuve. Mais certaines matières qui sont un petit peu sensibles, je peux recevoir 24 cuves, je dois le faire sur les 24 cuves. On va pas pouvoir entrer parce que là, il est en train d'effectuer un prélèvement. Et après, on l'envoie en fait à la qualité. La qualité vérifie et ensuite on débloque ou on fait un retour fournisseur si la matière n'est pas bonne. Donc une fois qu'il a fait son prélèvement et qu'il a validé sa réception, donc informatiquement il va faire un rangement. Et ça, et pour ça en fait on a des dangerosités. Et en fait chaque cellule est paramétrée en fait par rapport à une dangerosité. Donc par exemple là on a une cellule A, on va juste repasser de ce côté. Ici en fait entre le A01, donc là on a plusieurs allées où c'est que de l'inflammable et dangereux pour l'environnement. Donc vous voyez que la cellule est rétentionnée. Donc il y a une procédure en fait qui est faite en cas de déversement. On a aussi un frigo et une étuve, donc juste là-bas. Donc il y a aussi des matières qui sont paramétrées pour passer ou à l'étuve ou au frigo. Donc là c'est la partie inflammable. Après en cellule B on a tout ce qui est corrosif. En cellule C aussi on a une partie de corrosif. Et en cellule D en fait on a des articles de conditionnement et des matières premières non dangereuses. Et après, on a la partie zone d'approche qui arrive dans les ateliers, soit en fabrication, soit au conditionnement. Alors, nous sommes dans l'usine de l'Occitane, au conditionnement. Ici, nous sommes en ce qu'on appelle la sortie de ligne, fin de ligne, plein de palettisation. Ici nous recevons les produits terminés, on va les conditionner en carton sur palette et après ils partent à l'expédition sur grains de terre et après ils sont dispatchés partout dans France et dans le monde. Alors là c'est la Prost qui fabrique. Voilà, le fabricant c'est Groninger. Ouais, donc allemand, voilà, allemand, c'est la plus récente dans l'usine. Je crois qu'elle a deux ans et demi. Voilà, c'est, on va dire, le fleuron de l'Occitane. c'est une machine, mais je ne connais pas les cadences, le conducteur va arriver, mais il doit être pas loin de 100 produits minutes à peu près. D'où son nom, hein. Prost, voilà. En hommage au champion en Formule 1, en hommage à la vitesse de la machine. Elle fait pas énormément de gros volume, mais volume moyen entre 250 et 500 millilitres. Mais voilà, elle aussi est tout automatisée. Il y a juste deux personnes à l'entrée qui mettent les tubes dans les flacons dans les godets et la machine fait tout, mais les pompes, les bouchons, les étiquettes. Et donc deux personnes qui vont s'occuper de charger les flacons et deux personnes dehors. C'est tout automatisé. Bon, bien sûr, un conducteur qui gère la machine, mais tout est automatisé. Sur cette ligne, voilà. Pas énormément de temps que je suis là, mais j'ai connu quand même l'ancienne usine. C'était deux petits ateliers distincts, la crème et les cosmétiques. Et là, vraiment, c'est vrai, ça a pris une autre dimension. C'est vraiment l'usine, la grosse usine. Voilà, on a un bel outil pour travailler. Il y a 12 lignes. Avant, c'était un peu vieillot. On avait des pas dire vieillot, mais maintenant on est vraiment rentré avec Gaïa, l'ordinateur, c'est vraiment dans le.
c'est vraiment dynamique. Enfin, on voit la machine qui met les palettes en film, qui les palettise et tout. Avant, on faisait tout à la main. Là, on voit déjà que ça a pris une dimension supérieure.